La justice haïtienne est confrontée à des défis majeurs qui interpellent le sens de responsabilité des acteurs du système judiciaire et des autorités chargées de la gouvernance du pays. Depuis plusieurs années, l'insécurité, les nouvelles formes de déviance sociale, les violences urbaines, les crimes financiers, les crimes sexuels, les crimes transnationaux et la grande corruption au niveau de l'État évoluent à un rythme effréné, tandis que la justice connaît de graves problèmes structurels. Elle est dépourvue de moyens techniques et scientifiques de travail, de structures d'accompagnement parajudiciaire, dont des laboratoires scientifiques, des experts près des tribunaux qui pourraient aider les magistrats dans l'accomplissement de leurs tâches juridictionnelles. La plupart de nos textes répressifs sont désuets et ne recoupent plus à la réalité. Nombre de nouvelles formes de violence sociale ne sont ni incriminées ni réprimées. Autant de problèmes, entre autres, qui empêchent à la justice de remplir efficacement sa mission régalienne de sanctions et de régulation sociale. Face à ce bourbier, les autorités gouvernementales doivent agir pour enrayer la crise et le ministère de l'institution judiciaire est forcé. Il est évident que toute politique publique visant véritablement à l'instauration d'une gouvernance démocratique de l'état de droit en Haïti, d'un état capable d'assumer ses responsabilités régaliennes, de maintenir l'ordre et la paix sociale, passera inévitablement par le renforcement des institutions étatiques de sanctions, dont de la notamment de la justice. Rétablir l'ordre social, maintenir la sécurité des vies et des biens dans le pays, sanctionner les actes criminels sont autant de préoccupations majeures des filles et fils conséquents du pays. La magistrature haïtienne n'est pas en reste. Des réflexions sont produites par plus d'un sur la nécessité de renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, d'opérer une réforme judiciaire en profondeur, de moderniser le système et de renforcer la capacité technique des magistrats. Sur quoi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, par mon organe en tant que représentant des juges des tribunaux de première instance, salue cette initiative du Réseau national des magistrats haïtiens d'organiser cette conférence sur la création des pôles judiciaires spécialisés en Haïti. En effet, les magistrats sont appelés à trancher des cas d'espèces très complexes pour lesquels il leur faut des connaissances très pointues, notamment en matière de crimes transnationaux, économiques et financiers. De pareilles infractions, le traitement de pareilles infractions demande à ce que le magistrat se trouve à la croisée de tout un ensemble de professions, notamment de la profession de sociologue, psychologue, criminologue, travailleur social, expert comptable et interprète. Ces procès d'importance cruciale pour maintenir l'équilibre et la paix sociale doivent être conduits avec parcimonie et compétences éprouvées. La spécialisation de la magistrature haïtienne répond à un besoin de résultats et d'efficacité de la justice. Le procès et les cas d'espèce étant devenus de plus en plus complexes, il nécessite que les magistrats ainsi que les avocats aient des connaissances pointues dans des domaines bien spécifiques. Les cas de violences sexuelles, de crimes financiers, de crimes transnationaux en sont des situations concrètes pour lesquelles le magistrat doit avoir certaines compétences très bien aiguisées. La spécialisation résulte moins d'un choix que de la nécessité de s'adapter au développement du droit. La spécialisation du magistrat permet d'assurer qu'il ait les connaissances et l'expérience requises dans son domaine de compétences. Elle lui permet, par la répétition des affaires qu'il traite, de mieux comprendre et cerner les réalités qui concernent les litiges qui lui sont soumis, tant sur le plan technique, social, économique, et donc de trouver des solutions appropriées à ces réalités. La nécessité
La spécialisation est donc une nécessité qui devra revêtir les formes les plus diverses, soit par la création de pôles ou sections spécialisées au sein même des juridictions, soit par la création de juridictions spécialisées. À l'instar de certains pays européens, on peut commencer avec la spécialisation de la magistrature haïtienne en instituant des pôles spécialisés dans les grandes juridictions. Et vu les défis auxquels le pays fait face en matière de lutte contre la corruption, les crimes financiers et économiques au niveau de l'État, il serait important dans la foulée et dans l'objectif de combattre la corruption d'instituer une juridiction spécialisée à compétence nationale réunissant en son sein parquetier et juge d'instruction. La spécialisation de la magistrature ne devra pas concerner seulement les juridictions de premier degré, mais tout aussi bien les juridictions de second degré. Dans cette perspective, l'école de la magistrature jouera un rôle fondamental, car elle est la structure par laquelle le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice passeront pour renforcer la compétence technique des magistrats et leur donner les connaissances spécifiques en termes de spécialisation. La création de pôles judiciaires et ou juridictions spécialisées en Haïti nécessitera l'adoption de tout un ensemble de mesures juridico-administratives et institutionnelles, à commencer par l'édiction de nouvelles normes juridiques, si l'on s'en tient au fait que la législation actuelle ne permet pas la collégialité en matière d'instruction. Tandis que certains cas complexes demanderont à ce que l'on ait recours à la collégialité en matière d'instruction. Il reviendra donc à l'exécutif de procéder par voie réglementaire pour l'instant, vu que le Parlement est dysfonctionnel. Dans la quête d'une justice de qualité et efficace, il faudra mettre en place des structures d'accompagnement technique et scientifique pour aider les organes spécialisés, en particulier les tribunaux et cours en général, dans l'accomplissement de leurs tâches. Il sera important d'interconnecter les tribunaux, les pôles ou organes spécialisés par un système intranet, ce qui faciliterait la cueillette et le partage des informations sur l'histoire et le passé des individus, ainsi que l'accès à des documentations juridiques. En outre, les autorités gouvernementales doivent tout faire pour juguler la situation d'insécurité sans précédent que connaît le pays. Les juges doivent se sentir en sécurité, disons mieux, leur sécurité doit être garantie pour pouvoir remplir leurs fonctions. Garantir la sécurité des biens et des vies est non seulement le premier des biens publics et une dette du gouvernement envers la population, mais c'est aussi une condition essentielle au bon fonctionnement de la justice. Voilà pourquoi le Conseil de l'Europe, dans son avis consultatif numéro 12, recommande que toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de veiller à la sécurité des juges, notamment en assurant la présence des gardes dans les locaux des tribunaux ou en faisant protéger par la police les juges qui peuvent devenir ou sont victimes de graves menaces. Le CSPJ, mesdames et messieurs, dans une parfaite synergie avec les autres pouvoirs de l'État, et conformément à ses attributions, jouera pleinement sa participation dans les élans d'efforts, de la conception et la mise en place de toute politique publique visant à renforcer la justice. Car l'existence d'une justice forte, indépendante et efficace dans une société constitue un élément indispensable dans le combat contre la grande corruption, la mauvaise gouvernance et la criminalité, lesquelles sont de véritables sources génératrices de troubles sociaux, du sous-développement et de la pauvreté. Enfin, pour répéter Philippe Batteronte, lorsqu'une société a perdu ses valeurs, la justice est le dernier rempart contre le retour du règne animal et les juges des citadelles. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Haïti. Bonne conférence, bon colloque.